Et J-1 avant la 100e édition de l'Open de France de golf. Les joueurs sont arrivés aujourd'hui au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors après les interviews et les séances photos, les sportifs ont pu tester le parcours dans l'après-midi. Cette année, les 60 000 spectateurs pourront observer les têtes d'affiches françaises comme Alexander Lévy, déjà vainqueur de deux Open Tour à 25 ans, et de Victor Dubuisson, 72e joueur mondial et qui a participé à la Ryder Cup 2014. L'Open de France 2016, organisé jusqu'à ce dimanche, a également attiré cette année Rory McIlroy, numéro 3 mondial. La star nord-irlandaise n'était plus revenue sur le parcours depuis 2010. Mickaël Emidoro était bien évidemment sur place. Écoutez. C'est bon d'être de retour, de revenir dans ce tournoi à seulement 2 ans de la Ryder Cup qui se tiendra ici. Je pense que c'est une bonne chose de supporter l'European Tour. Très heureux ouais, d'être là pour cette centième édition. C'est vrai que l'organisation, on sent que cette année, c'est vachement, enfin, comment dire, pas amélioré, mais on sent qu'il y a beaucoup plus d'émulation ouais, pour cette semaine. Ouais.